Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Nous poursuivons le premier exercice consacré bien sûr au chapitre équations et inéquations trigonométriques. Donc nous sommes arrivés à la question petit c, représenter les solutions précédentes sur le cercle trigonométrique bien sûr. Donc on a trouvé comme solution bien sûr pi sur 6 et 5 sur 6, et bien sûr pour les représenter, donc nous devons tracer le cercle trigonométrique, et bien sûr donc petit c, et convertir donc les abscisses curvilignes pi sur 6 et 5 pi sur 6, bien sûr l'écrire sous forme de degrés. On l'a déjà fait dans la première question. Donc petit c, représentant donc représentant donc M1 d'abscisse curviligne pi sur 6 et le point M2 d'abscisse curviligne 5 pi sur 6. Bien sûr, il faut les placer de façon précise, donc en utilisant les outils bien sûr convenables. Donc, on va tracer un repère orthonormé. On va tracer un cercle trigonométrique. Voilà. Bien sûr, le cercle trigonométrique, donc le sens positif. Le point M d'abscisse M1 d'abscisse curviligne pi sur 6, donc on l'a converti en degrés, c'est 30 degrés. Donc on va utiliser le rapporteur pour placer le point de façon précise. Voilà, donc 30, c'est après là. Et donc on trace la droite qui passe par ces deux points, c'est-à-dire l'origine du repère et le point qu'on a repéré à partir du rapporteur. Donc voilà notre solution, point M1 d'abscisse curviligne pi sur 6. L'autre point, donc on l'a converti bien sûr en 152 degrés. Donc, on utilise une deuxième fois le rapporteur. Il faut bien le placer. Donc, on a 120, 130, 140, 150. Donc, ici. Et on trace la droite, toujours, passant par l'origine du repère et ce point. Voilà, donc pour l'emplacement des deux points M2 d'abscisse qui vient 5 pi sur 6. Vous voyez bien sûr donc ces deux points, donc ils ont même projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Bien sûr qu'on a appelé le sinus. Hein. Donc c'est cette, voilà le sinus qui est égal à peu près 1/2. Donc là c'est 1/2. Donc pourquoi bien sûr il faut bien placer les points, parce que dans la résolution de l'inéquation, donc on va bien sûr utiliser le cercle trigonométrique et ces deux points M1 et M2. Donc, justement, on est arrivé à cette question. Donc, la troisième question, résoudre l'inéquation de sinus x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, troisièmement,
Comment résoudre cette inéquation? Donc, on va utiliser bien sûr le cercle trigonométrique. Donc, 2 sinus x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, on va résoudre cette inéquation sur le demi-cercle, puisque seulement sur le demi-cercle supérieur entre le point I d'abscisse curviligne 0, le point de départ du cercle trigonométrique, et bien sûr le point J d'abscisse curviligne pi, puisqu'on travaille dans 0 pi. Donc, on se base sur le cercle trigonométrique. Donc, voilà la méthode pour résoudre. Sinus x supérieur ou égal à 1 demi. Donc, on va exploiter le cercle trigonométrique. Si on prend un point M appartenant à l'arc IM1, on constate que le projeté de ce point, donc sur l'axe des ordonnées, donc cette distance qui est bien sûr, il est inférieur à 1 demi. Or, nous voulons le sinus supérieur ou égal à 1 demi. Donc, n'importe quel point M situé entre I et M1, son sinus, il est inférieur à 1 demi. Donc, par contre, si on prend n'importe quel point M situé entre M1 et M2, donc si on fait se projeter, son projeté sur l'axe des ordonnées, autrement dit son sinus, il est supérieur à 1 demi. Donc, l'ensemble de solutions, ce sont tous les points qui sont situés entre M1 et M2. La même chose si on prend les points qui sont situés entre M2 et J, donc leur projeté, bien sûr, sur l'axe des ordonnées, donc ils ont un sinus qui est inférieur à 1 demi. Or, nous, on veut un sinus qui est supérieur ou égal à 1 demi. Donc, l'ensemble solution, bien sûr, sera l'arc, y compris ses extrémités que je vais colorer en rouge. Donc, l'ensemble des points M qui appartient à cet arc. En prenant en considération, bien sûr, les extrémités. Donc, d'après le cercle trigonométrique, donc l'ensemble de solution est égal pi sur 6, pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc voilà comment résoudre une équation trigonométrique. On utilise uniquement, bien sûr, le cercle trigonométrique et la définition, bien sûr, de sinus et de cosinus qu'on a vu dans le cours. Maintenant, on va faire une application. La quatrième question, on nous a donné une fonction fx est égale à la racine carrée de 2 sin x moins 1, où x varie entre 0 pi, autrement dit, il appartient à l'intervalle 0 pi, déterminée df. Or, fx appartient à R, c'est-à-dire à une image par la fonction f, si et seulement si, ce qui est à l'intérieur, bien sûr, sinus x moins 1 doit être positif, puisque la fonction racine carrée n'est pas définie pour les nombres strictement négatifs. Et il ne faut pas oublier la condition, donc x appartient à 0 pi. Or, 2 sin x moins 1 supérieur ou égal à 0, d'après la question précédente, est équivalent à x appartient à l'intervalle pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc, le domaine de définition de cette fonction, donc df est égal 0, pardon, est égal à pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc voilà, on a terminé cet exercice intéressant. Donc soyez au rendez-vous pour un autre exercice, exercice numéro 2. La tahrimouna min salih da'watikum lana wa li walidina wa li man 'allamana wa li jami' al-muslimin. Bi tawfiq inshallah, nastawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wa da'i'u. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.